Joseph Allard, vous êtes professeur de saxophone à la Julian School à New York et également au New England Conservatory à Boston. Si. Est-ce que vous enseignez le saxophone à des saxophonistes de jazz ou à des saxophonistes de musique classique? Les deux. Ah. À Juillard, c'est seulement la musique de concert. D'abord, à Juillard, il n'y a pas de programme de jazz. À Manhattan, il y a les deux. C'est neuf à Manhattan. Et puis, quand même qu'on fait du jazz, il faut jouer, pour un jury à la fin de l'année. Et puis, ça doit être la musique connue au professeur. Il faut que ça soit la musique classique. Mais ça ne vous pose pas un problème à vous d'enseigner à la fois pour le jazz et pour la musique? Est-ce que ce n'est pas un... Non, parce que ceux qui jouent du jazz, ceux qui jouent de la musique classique, après tout, l'instrument, il faut connaître bien l'instrument. Et ceux qui font du jazz connaissent bien l'instrument. Et point de vue technique, par exemple, est-ce qu'il y a des différences entre les saxophonistes de jazz et les saxophonistes dits classiques? Ça, c'est compliqué, vraiment. Ceux qui veulent faire du jazz ont une conception de ce qu'ils veulent et sachent ce qu'ils veulent. C'est une sonorité connue à eux. Ce qu'ils font, c'est comme si je chante quelque chose de classique. Je veux dire... On va dire ça. C'est un esprit, c'est qu'on entend, on joue comme on chante. Et puis c'est difficile de dire. Il y a vraiment une sonorité de jazz. Il y a vraiment une sonorité de concert. Ce sont deux expressions complètement différentes. Ce sont deux expressions, mais pour jouer le saxo, les notes graves, la justesse, les notes aiguës, le vibrato. Ceux du concert, il y a une tendance de croire que le vibrato doit être tel ou tel. Mais ceux du jazz, c'est varié comme vibrato. Quelquefois, on commence la note sans vibrato. Et puis on ajoute, wah, wah, wah. Et puis après ça, si on est excité, ça va très vite. Et puis après ça, il n'y en a pas. Il n'y a pas de règles.